chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Et quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Une journaliste de CNews déclare vouloir recoloniser l'Afrique. La séquence a créé la polémique sur les réseaux sociaux et a choqué tous les chroniqueurs qui étaient présents sur le plateau. Recoloniser. Véronique Jacquier a complètement dérapé en tenant des propos scandaleux en direct de l'émission L'heure des pros et a indigné le présentateur du talk show. Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. D'accord, peut-être pas la bonne notion. Non seulement qui est tellement connoté. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Say that about pretty much all of Africa, they're incapable of governing themselves and benefiting their citizens, because the governments there are all about looting and pillaging and lining their pockets and going shopping in Paris. Of actually all right, hold on a second. Hold on. Better, people better on the land. Left are going to watch this. They're going to say, "Wait a minute, Eric Prince is talking about being a colonialist again." Absolutely. Yes. Enough, because if you go to these countries and you see how they suffer under absolutely corrupt, made-up governments that are just criminal syndicates, made-up governments, the people of Africa, the people of Latin America, a lot of them deserve better. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette interview, vous avez entendu les propos de Eric Prince, businessman américain et fondateur de l'entreprise militaire privée Blackwater, aujourd'hui connu sous le nom de Constellis. Blackwater, à son apogée, était considéré comme le bras armé invisible du gouvernement américain, recevant des contrats officiels et officieux dans des zones de conflit comme l'Irak et l'Afghanistan. En fait, quand le gouvernement américain voulait procéder à des opérations militaires douteuses sans en prendre les responsabilités, il faisait appel à Eric Prince et à son organisation de mercenaires privés Blackwater. Les propos de Eric Prince vous choquent? Pourquoi? Malgré le travail que nous faisons sous la chaîne Afrique Suprême, vous ne savez toujours pas à qui vous avez affaire. Nous allons y revenir. En 1899, Rudyard Kipling a écrit le poème intitulé « The White Man's Burden », qui se traduit en français par « Le fardeau de l'homme blanc ». Ce poème parle de la guerre philippino-américaine, dans laquelle il encourage fortement les États-Unis à prendre le contrôle des Philippines et d'en faire une colonie des États-Unis. Voici un extrait, je cite. « Qu'attendez-vous pour assumer le fardeau de l'homme blanc? Envoyez le meilleur de votre race. Envoyez vos fils en exil pour servir les besoins de vos captifs. Qu'ils attendent dans des harnais lourds ces peuples lugubres et sauvages, ces peuples ténébreux, nouvellement capturés, à moitié diables et à moitié enfants. » Assumez le fardeau de l'homme blanc. Faites ces guerres sauvages pour la paix. Remplissez la bouche des affamés et faites que la maladie cesse. Et quand votre objectif se rapproche, c'est-à-dire la fin des autres, regardez la paresse et la folie païenne réduire à néant tous vos espoirs. Fin de citation. Dans son poème, Rudyard Kipling dit tout simplement au locoderme américain de ne plus hésiter et d'aller coloniser les sauvages de la Philippine, parce que visiblement, ils ne peuvent pas céder eux-mêmes. De toute évidence, ils ont besoin que le locoderme vienne leur dire quoi faire. Et s'ils font le travail à moitié, ils verront tous leurs efforts réduits à néant. Le poème de Rudyard Kipling dépeint l'homme locoderme comme une force pour le bien, qui ne cherche qu'à aider le monde. Mais sa tâche est malheureusement difficile à cause de la présence des enfants du diable.
Rudyard Kipling, présente évidemment un complexe de supériorité que vous retrouverez dans l'éducation et dans la culture raciste locoderme. Comme beaucoup d'entre vous le savent, ce genre de pensée n'était pas rare au 19e siècle, dû au fait que les locodermes européens et américains avaient déjà à cette époque pratiquement colonisé et esclavagisé la terre entière. En fait, dans ce poème, Rudyard Kipling exprime l'idéologie de la destinée manifeste, mise en place par le locoderme américain pour assouvir son désir d'agrandir son territoire, de s'accaparer les ressources des populations indigènes et de soumettre les peuples qui s'y trouvent. En 1997, l'anthropologue historien Jared Diamond a publié son livre intitulé « Fusils, microbes et acier ». Ce livre, largement salué, qui a remporté plusieurs prix, pose la question suivante. Pourquoi les locodermes européens ont réussi à coloniser le monde entier et pourquoi ce ne fut pas les Africains, les Aborigènes d'Australie ou les Amérindiens qui ont colonisé les Européens? La réponse, l'historien Jared Diamond nous dit que le succès de la colonisation européenne n'est pas seulement dû à leur supériorité technologique, mais aussi aux différences géographiques et aux différences immobilières qui ont amené à une différence de trajectoire historique. Qu'est-ce qu'il veut dire par différence géographique et différence immobilière? En réalité, il nous parle en fait de l'expansion territoriale. Il nous parle du désir des Européens de s'accaparer les territoires et les ressources du reste du monde. Il nous parle en fait de la destinée manifeste. Mais attendez, le concept selon lequel le locoderme est d'une manière ou d'une autre destiné à acquérir de nouvelles terres et à transformer les populations qui s'y trouvent à son image n'est pas un concept nouveau ou récent. Ce n'est pas un concept que les locodermes d'Amérique ou d'Europe ont inventé. C'est un concept qui fait partie de la fabrique de leur paradigme culturel et de leur tradition, et cela depuis des millénaires. Mais dû à la paresse intellectuelle de nos dirigeants africains et à l'éducation eurocentrique des populations africaines, il nous est impossible d'identifier la nature de la culture locoderme et le danger dans lequel nous nous trouvons actuellement. Donc aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de complètement différent. Aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps et nous allons revisiter certains événements clés historiques pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, à qui nous avons affaire et ce que nous devons faire pour nous en sortir. Allons-y. Nous allons commencer notre investigation dans un passé extrêmement lointain, la fin du néolithique, qui a commencé il y a 12 000 ans. Il y a 12 000 ans, les populations des régions aujourd'hui appelées Europe étaient des populations de chasseurs-cueilleurs venus d'Afrique. Ces populations évoluaient dans des sociétés culturellement très avancées, égalitaires et pacifistes. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les résultats des recherches archéologiques qui ont démontré que la guerre n'existait pas dans le néolithique européen et que ces populations portaient les marqueurs génétiques des populations négro-africaines actuelles. Cependant, il y a 5000 ans, à la fin du néolithique et au début de l'âge de bronze, les populations locodermes du lac Baïkal, au nord de la mer Noire et des montagnes du Caucase, donc situées dans la Russie actuelle, ont quitté ces régions et se sont violemment déversées sur les régions aujourd'hui appelées Europe, laissant un héritage génétique qui persiste encore aujourd'hui. Ces populations locodermes sont nommées les Yamnaya par les historiens eurocentriques. Les populations Yamnaya sont aujourd'hui reconnues comme étant la société la plus violente et la plus agressive qui ait jamais existé sur Terre. Leur arrivée en Europe a coïncidé avec de profonds changements sociaux et culturels caractérisés par un niveau de violence jamais vu dans le néolithique européen. En fait, les Yamnaya ont tout simplement procédé à un génocide
systématique, celui des hommes noirs du néolithique, afin de s'arroger le droit à la procréation avec les femmes noires du néolithique, et ainsi préserver leur propre lignée génétique. Les preuves de ce génocide, perpétué par les populations Yamnaya, ont suscité la confusion et l'indignation de nombreux experts leucodermes européens. Des analyses d'ADN provenant des sites anciens ont révélé que les siècles de domination du peuple Yamnaya sur l'Europe furent des périodes de grande souffrance et que le nombre de survivants de cette période sombre de l'histoire furent probablement affaiblis par cette épreuve. J'en parle en détail dans ces deux ouvrages. Pourquoi les populations Yamnaya ont attaqué l'Europe? Pour quelles raisons sont-ils passés par un génocide pour s'installer? Pourquoi les hommes noirs étaient-ils les cibles principales de leur génocide? Les historiens eurocentriques nous disent qu'il est difficile de répondre à ces questions. Et moi je dis que ce n'est pas vrai, puisque les descendants des populations Yamnaya sont les populations qu'on appelle aujourd'hui les Français, les Britanniques, les Espagnols, les Belges, les Allemands, les Italiens et toutes les autres populations leucodermes qui vivent sur la péninsule européenne. Et nous savons comment ces populations agissent quand elles ont le désir de s'accaparer les terres et les ressources qui ne sont pas les leurs. Et donc, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi leurs ancêtres Yamnaya ont commis des génocides en arrivant en Europe. En fait, il y a 5000 ans, les populations Yamnaya ont procédé à des génocides dans l'Europe du néolithique afin d'étendre leur territoire, de s'accaparer les terres et les ressources et de soumettre les peuples qui s'y trouvaient. Possédaient-ils dans leur culture un concept semblable à celui de la destinée manifeste? Vu les résultats, absolument. On pourrait même dire que c'est dans ces populations leucodermes que se trouve l'origine de la destinée manifeste. Et on a, je dirais, une espèce de schisme dans l'histoire de l'humanité avec un avant et un après. Parce que lorsqu'on regarde les documentaires qui sont présentés, les civilisations sont présentées comme des civilisations violentes depuis la nuit des temps, alors que c'est faux. Donc il y a des incohérences qui sont relativement flagrantes, mais c'est vrai que l'occidental, il raconte l'histoire entre occidental, c'est-à-dire on se réunit entre blancs et on raconte l'histoire des Indiens, l'histoire de tout le monde. Maintenant, okay. Il y a une chose qu'il faut quand même rappeler, parce qu'il y a des certitudes scientifiques que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, le continent européen était un continent africain. Et ça, on peut le démontrer de plusieurs façons, d'autant plus qu'il y a eu des fouilles archéologiques et des tests ADN qui ont été faits et des reconstitutions un petit peu plus objectives de la réalité. Mais la chose, c'est que, vous voyez, lorsqu'il y a eu cette conférence à l'université de New York, où on a dit, c'est quand même étrange de voir qu'il y a eu beaucoup de migrations dans l'histoire de l'humanité. Mais il y a quand même une migration qui est quand même assez surprenante, c'est-à-dire que la migration caucasienne, chaque fois qu'elle est arrivée quelque part, il y avait déjà une civilisation. C'est-à-dire que ces gens sont sur des territoires qui ne sont pas les territoires de leurs ancêtres, mais ils ont des armes. Ils sont particulièrement violents. Eh bien, la société africaine de toute cette période avant le néolithique et compagnie et du début du néolithique n'est pas violente. Il va y avoir une coupure nette à 2000, c'est-à-dire en 2000 de l'ère ancienne. Il va y avoir cette invasion d'un peuple caucasien qu'on appelle les Yamnaya. Il devait faire bon vivre sur les Orcades au néolithique. Les archéologues n'y ont relevé jusqu'à présent aucune trace de guerre ni de catastrophe naturelle. Partout, le néolithique a sans doute été une ère assez paisible. Les premières traces de guerre sont postérieures. Les rapports humains changent à l'âge du bronze. Les hommes accordent davantage d'importance aux possessions matérielles et les hiérarchies sociales apparaissent. On a trouvé la trace de villages entièrement rasés par des pilleurs.
À la fin du néolithique, on assiste à une forte montée de la violence. Les hommes deviennent des guerriers. Il faut savoir que les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des guerriers. Ils ne trouvent pas la mort à la guerre. Il n'y a pas de guerre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il n'y a que des agressions. Moi, je descends des Yamnaya. Et moi, et la grande majorité des Européens actuels. Comment, pourquoi, quand ? Alors, les Yamnaya, en fait, c'est un peuple qui habitait les steppes au-dessus de la mer Noire, en actuelle Ukraine et Russie, qui était nomade il y a un peu plus de 5000 ans. Et tout d'un coup, ils ont quitté leur territoire et ils ont débarqué en Europe. Bon, ils ont laissé des traces écrites ? Ils n'ont pas laissé de traces écrites parce que, justement, ils ne connaissaient pas l'écriture. Il n'y avait d'écriture qu'en Égypte et en Mésopotamie à cette époque. Mais par contre, ils ont laissé une trace encore plus indélébile. Ils ont laissé leur gène. Et ça se voit sur le chromosome Y. Certains chromosomes Y que des Européens avant l'arrivée des Yamnaya ont complètement disparu. Tandis que les chromosomes Y qui étaient portés par les Yamnaya, eux, ils se sont absolument répandus dans la population. Certains chercheurs pensent qu'ils ont dû un peu zigouiller tous les individus masculins. Ils se sont arroger le droit à la reproduction. Vous avez vu, ils ont massacré les hommes. Donc, vous voyez que la relation entre le masculin noir africain, le masculin caucasien, c'est une relation qui a quand même des antériorités conflictuelles qui ne viennent pas du côté africain, mais qui viennent de quelqu'un qui est en stratégie de conquête à tous les niveaux. Hein, conquête intellectuelle, conquête culturelle, conquête spirituelle. Regardez ces images. Nous sommes en 1208 avant l'an 0, à la fin de l'âge de bronze, et les peuples locodermes d'Europe, appelés les peuples de la mer par les historiens eurocentriques, sont ici représentés en train d'attaquer l'Égypte antique, dans le but d'entrer en Afrique en passant par l'Afrique du Nord. À cette époque, le Nabissou Massouré II les repousse en construisant des fortifications et des châteaux forts tout le long de la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord et tout le long de la région côtière du Levant. Le Nabissou Massouré II dit les avoir détruits. Son neveu, c'est-à-dire le fils de sa sœur, que les historiens eurocentriques nomment Merneptah, a également, dans la cinquième année de son règne, repoussé les peuples de la mer, les Luka, des régions aujourd'hui appelées Turquie, les Karkia, que l'on retrouve également comme mercenaires dans les armées hittites, les Pélécètes, que l'on appelle aujourd'hui les Philistins, les Shekelesh, les Sherden, les Weshesh, Merneptah dit les avoir défaits. Pourtant, pendant le règne de celui qui le succède, c'est-à-dire le Nabissou Massouré III, les invasions des peuples de la mer ne cessent de s'intensifier. Massouré III dit les avoir massacrés, les avoir détruits, les avoir terrassés. Et malgré tout cela, il finit par signer un traité avec les peuples de la mer, qui les laisse s'installer paisiblement en Afrique du Nord. Cependant, une fois arrivés sur place, les peuples de la mer continuent la guerre et repoussent les populations indigènes noires loin de la Méditerranée, toujours plus au sud, et s'accaparent leurs terres, leurs ressources et leur culture. Mais que s'est-il passé ? Les peuples de la mer étaient une confédération de peuples locodermes d'Europe qui fuyaient la glaciation, la misère, la guerre et la famine qu'ils avaient répandues en Europe après avoir génocidé les populations noires locales. Et c'est ainsi qu'au lieu de s'entretuer pour les maigres ressources de l'Europe, ils décident de s'unir pour conquérir l'Afrique dont les terres, les ressources et l'abondance leur convenaient parfaitement. C'est pour ces raisons qu'ils ont essayé de conquérir l'Afrique du Nord sous le règne du Nabissou Massouré II. Mais après avoir accusé une série de défaites sanglantes, ils ont battu en retraite et ont décidé de patienter. À la mort de Massouré II, ils se sont réorganisés et dans le règne de Merneptah, le neveu de Massouré II, ils ont réessayé de conquérir l'Afrique. Mais là encore, ils ont essuyé défaite après défaite et ont décidé de battre en retraite et de patienter une fois de plus. Et enfin, sous le règne du Nabissou Massouré III, ils sont revenus à la charge. Et malgré les nombreuses victoires de ce dernier,
il sera obligé de signer un traité de paix avec les peuples de la mer. Un traité que ces derniers n'avaient aucunement l'intention de respecter. Quel était leur but ? Faire de l'Afrique leur nouveau territoire, imposer leur culture et leurs traditions et soumettre les peuples qui s'y trouvent. Et il leur a fallu seulement 3 générations pour y arriver. Et les Africains, au bout de 3 générations, les Africains étaient déjà fatigués par la guerre. En fait, il y a une différence culturelle dont on ne parle jamais, que l'on retrouve maintes et maintes fois dans les conflits entre les civilisations noires et les civilisations leucodermes. Nous avons ici 2 philosophies de guerre totalement différentes. Chez les Noirs, quand on fait la guerre et qu'un certain nombre de personnes meurent, on fait la paix pour diminuer les souffrances et pour préserver les lignées. Par contre, chez les leucodermes, on fait la guerre jusqu'à la destruction totale des infrastructures, jusqu'au génocide des populations ennemies. Et seulement l'anéantissement total, on fait la paix. Ensuite, il faut savoir que les ressources financières de l'Égypte antique pour payer les armées et construire les châteaux forts étaient complètement épuisées. En réalité, l'Empire Kami était en faillite depuis la mort de Massoud II, qui avait utilisé la majeure partie des ressources de l'Empire pour arrêter les invasions des peuples de la mer. D'où le traité que, quelque part, le Nabissou Massoud III fut obligé de signer. Cependant, pensez-vous que les peuples de la mer étaient des peuples immensément riches? Non! Ils représentaient la misère, la sauvagerie, la racaille de la race humaine. Et pourtant, avec des ressources minables, je dirais même inexistantes, comparées à celles dont jouissait l'Afrique, ils ont continué la guerre jusqu'à la victoire finale. Comment expliquer cela? Était-ce leur destin d'étendre leur territoire jusqu'en Afrique du Nord? Voici ce dont on est certain. Les peuples de la mer sont les descendants des populations Yamnaya. Et à la manière de leurs ancêtres, leur but était de s'accaparer les terres et ressources de l'Afrique et de soumettre les peuples qui s'y trouvent. Et malgré leurs nombreuses défaites, ils ont tout de même réussi à gagner la guerre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont hérité du concept de la destinée manifeste de leurs ancêtres Yamnaya. Nous sommes en 480 avant l'an 0. Le roi carthaginois Hamilcar Maga, Maga comme dans Kaya Maga, ce n'est pas une coïncidence, je l'explique dans une future vidéo, mène une expédition massive de 300 000 soldats pour récupérer la Sicile. En chemin, une violente tempête décime une partie de sa flotte militaire. Lorsque la flotte restante arrive à Himera en Sicile, elle est complètement décimée par les armées des Grecs doriens et le roi Hamilcar Maga y perd la vie. Après cette catastrophe militaire, les coffres financiers de Carthage étaient presque vides. Résultat, Carthage abolit la monarchie et devient une république dirigée par un sophet, c'est-à-dire un juge responsable devant un sénat. Hanno Maga, le fils d'Hamilcar Maga, est alors élu pour occuper ce poste. Durant sa gouvernance, il réorganise l'armée carthaginoise. Le succès de cette réorganisation permet à Carthage de contrôler non seulement l'entièreté de la côte méditerranéenne, mais aussi l'arrière-pays agricole de l'Afrique du Nord, ce qui conduit au redressement de l'économie carthaginoise. Selon l'historien grec John Chrysostome, la conséquence de cette politique fut de réenraciner les Carthaginois d'origine tyrienne, eux-mêmes d'origine Kami, dans la culture négro-africaine. Il nous dit, je cite, « Les Carthaginois d'origine tyrienne étaient redevenus éthiopiens. » Fin de citation. Lorsque Segasta, une ville noire sicilienne, fut attaquée par la ville grecque Himera, Segasta fit appel à Carthage, qui, après les avoir initialement ignorés, vint à leur secours en 410 avant l'an 0. Mais seulement 3 ans après cette victoire, les Grecs doriens reviennent à la charge et attaquent à nouveau les territoires siciliens. Hannibal Maga mène alors une 2e expédition carthaginoise vers la Sicile en 406 avant l'an 0 et assiège la ville d'Acragas. Malheureusement, son armée est frappée par la peste et Hannibal Maga en meurt. Son cousin et adjoint, Himilco Maga, prit le contrôle de l'armée et termina la conquête d'Acragas.
J'espère que vous comprenez que si les Carthaginois, c'est-à-dire les Noirs d'Afrique du Nord, se battent pour la Sicile, c'est parce qu'à cette époque, les régions aujourd'hui appelées Italie, Espagne et Irlande font partie de l'Afrique. Je l'explique dans cette autre vidéo. Mais durant toutes ces batailles entre Grecs et Carthaginois, une entité plus petite observe et prend note. Cette future puissance s'appelle Rome. Lorsqu'en 288 avant l'an 0, la ville de Messine fut assiégée, les Messinois demandent de l'aide à la fois à Rome et à Carthage. Les Carthaginois sont les premiers à agir et envoient une flotte militaire à Messine. C'est alors que Rome riposte en envoyant deux de ses meilleurs bataillons sur place. La marine carthaginoise échoue dans l'interception des navires qui transportaient les bataillons romains. Ces derniers débarquent alors à Messine en 264 avant l'an 0 et réussissent avec beaucoup de peine à vaincre l'armée carthaginoise. À la surprise de tous, le Sénat carthaginois refuse d'envoyer une armée pour vaincre les bataillons romains déjà complètement affaiblis et donner le coup de grâce à Rome. Résultat, toutes les colonies noires de Sicile, ne voyant pas arriver les Carthaginois, s'allièrent automatiquement à Rome. Voici la première opportunité ratée par Carthage d'en finir une bonne fois pour toutes avec Rome. En 260 avant l'an 0, la flotte militaire romaine engage la flotte militaire carthaginoise dans les eaux au large de la Sicile et réussit à y imposer le statu quo. Rome, de plus en plus puissante sur terre comme sur mer, se prépare alors à envahir les territoires carthaginois en Afrique du Nord. Carthage tente d'intercepter la flotte militaire romaine, mais est vaincue en Sicile au cap Eknomos en 256 avant l'an 0. Encore une fois, à la surprise de tous, le Sénat carthaginois refuse de redoubler l'effort de guerre et demande la paix. Mais les Romains refusent la paix. Pourquoi ? Je vous ai déjà expliqué la différence entre le concept de guerre chez les Noirs et le concept de guerre chez les Leucodermes. Donc, les Romains refusent la paix, obligeant les Carthaginois à reprendre la guerre. Cependant, une fois l'armée carthaginoise réorganisée, il y a un retournement de situation, car elle réussit à mettre les Romains en défaite à la bataille de Bagradas en 255 avant l'an 0. C'est alors que la flotte maritime carthaginoise, maintenant adaptée aux tactiques romaines, inflige une autre défaite écrasante aux Romains lors de la bataille navale de Deprana. Et vous pourriez penser que maintenant que la situation est en la faveur de Carthage, le Sénat carthaginois va mettre la pression en attaquant ce qui reste de Rome. Et vous auriez tort une fois de plus, car au lieu de mettre la pression sur les Romains et attaquer Rome, le Sénat carthaginois vote une loi pour qu'on démantèle la marine militaire carthaginoise parce qu'elle estime qu'elle est trop coûteuse à entretenir et elle fait cela en période de guerre. Voici la deuxième opportunité ratée par Carthage d'en finir une bonne fois pour toutes avec Rome. Cependant, c'est tout le contraire chez les Romains. Le Sénat romain, également en faillite complète, n'ayant pas d'argent pour financer la construction d'une nouvelle flotte maritime pour attaquer Carthage, décide de s'adresser aux riches citoyens romains en leur demandant d'investir une partie de leur fortune et d'aider le Sénat à soulever des fonds privés. Seriez-vous étonné de savoir qu'à Carthage, aucun riche citoyen n'accepta de se séparer d'une partie de sa fortune pour aider à la reconstruction de la marine carthaginoise ? Nous terminons dès à présent avec la famille carthaginoise Maga et nous passons dès à présent à la famille carthaginoise Barca. Le général Hamilcar Barca fut l'un des rares généraux carthaginois qui mena une guérilla féroce contre les Romains en Sicile. Mais à cause du démantèlement de la marine militaire carthaginoise par le Sénat, Hamilcar Barca dut se retirer de Sicile et l'Afrique perdit pour de bon tous les territoires siciliens ainsi que l'Italie tout entière. Maintenant, ce sont les Romains qui dirigent la Méditerranée et qui décident qui peut y naviguer ou pas. Ils imposent donc des réparations très lourdes aux Carthaginois
mais les laisse conserver la Sardaigne, la Corse et leurs possessions espagnoles. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi la langue corse n'est pas génétiquement reliée aux langues européennes et pourquoi les Corses et les Irlandais se sont battus pendant très longtemps pour ne pas faire partie de l'Europe. Bref, Amilcar Barca, maintenant sauveur de Carthage, propose d'exploiter l'Espagne pour remettre à flot les coffres vides de Carthage. Et pour ce faire, il y fonde une nouvelle ville appelée Cartagena. Grâce à l'Espagne, l'économie carthaginoise rebondit. Les Romains, qui pensaient avoir complètement anéanti Carthage, sont étonnés par ce revirement de situation et décident d'attaquer l'Espagne. Mais Hannibal Barca, le fils d'Amilcar Barca, qui avait compris les faiblesses du Sénat carthaginois, ne les attendit pas pour prendre une décision. Et, utilisant la fortune familiale, il rassemble alors 90 000 combattants, 12 000 cavaliers, 37 éléphants de combat et traverse l'Èbre jusqu'aux Pyrénées. Une fois l'Èbre franchi, les Romains ripostent en envoyant une flotte militaire pour l'intercepter. Hannibal Barca les contourne et atteint les Alpes connues comme étant une barrière naturelle infranchissable. Mais contre toute attente, il réussit l'exploit de traverser les Alpes et envoie un corps de diplomates dans les tribus gauloises au nord de l'Italie qui acceptent de s'allier à son armée et de se révolter contre Rome. Ainsi, quand Hannibal Barca entre en Italie par le nord, les Romains sont pris par surprise. Rome envoie alors une légion attaquer Hannibal, mais elle est vaincue à la bataille de Ticinus. Rome envoie alors une nouvelle légion qui, elle aussi, sera vaincue. En 210 avant l'an 0, Hannibal Barca marche enfin vers le centre de l'Italie, lorsque les Romains envoient une troisième légion qui sera vaincue à la bataille du lac Trasimène. Après cette victoire, les généraux d'Hannibal Barca l'exhortent de marcher directement sur Rome et d'en finir une bonne fois pour toutes avec cette menace. Et, à la surprise de tous, Hannibal Barca refuse et décide plutôt de marcher vers le sud de l'Italie pour soulever les villes grecques contre Rome. Voici la troisième opportunité ratée par Carthage d'en finir une bonne fois pour toutes avec Rome. Les Romains, qui étaient dans un état général de panique après la défaite du lac Trasimène, eurent le temps de se regrouper, puisqu'Hannibal refusa de les attaquer. Rome, désespéré, réussit à lever 100 000 hommes pour affronter l'armée d'Hannibal d'environ 40 000 hommes. Hannibal les attire dans un piège et plus de 70 000 Romains furent tués à Cannes. Et grâce à cette victoire, toutes les villes grecques de Sicile se rangent du côté d'Hannibal Barca. Maintenant, ayant soulevé toutes les villes grecques contre Rome et ayant conquis toute l'Italie, sauf la ville de Rome comme il l'avait désiré, vous pourriez penser qu'Hannibal Barca donnera enfin le coup de grâce? Eh bien non. Il décide qu'il faut que ce soit Rome qui lui demande la paix. Et donc, il va tout simplement continuer à piller autour de Rome et ainsi donner aux Romains le temps de se regrouper une fois de plus. Voici la quatrième opportunité ratée par Carthage d'en finir une bonne fois pour toutes avec Rome. Et comme vous l'aurez deviné, les Romains ne demanderont jamais la paix. Pourquoi? Je vous ai expliqué la différence culturelle entre les Noirs et les Leucodermes quand il s'agit de faire la guerre. C'est alors qu'en 209 avant l'an 0, le général romain Scipion reprend une partie des terres italiennes conquises par Hannibal Barca et anéantit une garnison carthaginoise venue d'Espagne pour prêter main forte à Hannibal. Puis, en 203 avant l'an 0, pour sortir Hannibal hors de l'Italie, le général romain Scipion réunit l'entièreté de l'armée romaine et traverse la Méditerranée pour attaquer Carthage. Et vous pourriez penser, voici une aubaine. Les armées romaines sont toutes en route pour l'Afrique. Hannibal Barca va saisir cette opportunité et mettre Rome à feu et à sang. Eh bien non, il quitte immédiatement la Sicile pour aller défendre sa famille. Voici la cinquième opportunité ratée par Carthage d'en finir une bonne fois pour toutes avec Rome. Et à la bataille décisive de Zama en Afrique du Nord, Hannibal Barca est vaincu par Scipion. Et le reste de l'histoire,
vous connaissez. Cette défaite marque la fin du règne de Carthage sur la Méditerranée et le début de la colonisation de l'Afrique du Nord par les Romains. Comme vous l'avez vu, à chaque fois qu'il fallait donner le coup de grâce à Rome, le Sénat carthaginois a préféré soit signer un traité, soit demander la paix, ou soit démanteler sa flotte maritime. Et en plus, les riches citoyens carthaginois ont refusé de se séparer d'une partie de leur fortune pour la reconstruction de leur flotte militaire, et ce, en période de guerre. Et quand Hannibal Barca a plusieurs fois eu la possibilité, l'opportunité d'en finir une bonne fois pour toutes avec Rome, il n'a jamais su saisir ces opportunités. Pourtant, comme vous l'avez vu, quand le Sénat romain était dans le gouffre financier, les riches citoyens romains ont donné les moyens à leur Sénat pour rebâtir leur flotte militaire, dans le but d'attaquer Carthage. À aucun moment, Rome n'a accepté de signer un traité de paix, sauf quand elle était certaine d'avoir complètement anéanti Carthage. Et à chaque fois que les Romains ont perdu une bataille contre Carthage, ils se sont regroupés et ont attaqué de plus belle. Et à chaque fois, ils ont donné le coup de grâce. D'abord pour prendre la Sicile, ensuite pour prendre l'Italie tout entière, puis pour contrôler la Méditerranée et enfin pour détruire Carthage et conquérir l'Afrique du Nord. Était-ce la destinée de Rome de battre Carthage et de conquérir l'Afrique du Nord? L'une des particularités de l'Empire romain, reconnue par tous les historiens, était son insatiable désir de toujours agrandir ses frontières, c'est-à-dire que la conquête de nouvelles terres, le contrôle de nouvelles ressources et la soumission des peuples étrangers étaient au centre de la politique d'expansion romaine. Est-ce que l'on peut dire que cette politique d'expansion territoriale est un trait culturel semblable au concept de la destinée manifeste? Visiblement oui, puisque les populations qui dirigent l'Empire romain sont les descendants des populations Yamnaya. Quel est le point commun entre les peuples de la mer et l'Empire romain? Ces civilisations locodermes sont les descendantes des populations Yamnaya qui ont envahi l'Europe du néolithique. Des Yamnaya, elles ont hérité du concept de destinée manifeste, le pilier culturel de leur société, qui les pousse continuellement à l'expansion territoriale, à s'accaparer les ressources naturelles des autres et à génocider les peuples qui se trouvent sur leur chemin. Regardez ce qui s'est passé en Mauritanie et au Soudan. J'ai fait cette autre vidéo sur le sujet, je vous invite à la regarder. Aujourd'hui, la Mauritanie, une nation noire, est devenue une nation dirigée par des populations locodermes, berbérisées, arabisées et islamisées. Quant au Soudan, le nord de cette nation est aujourd'hui dirigé par des populations locodermes, berbérisées, arabisées et islamisées. La même chose se passe au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Pourquoi ? Parce que le concept de destinée manifeste fait partie intégrale de la culture des populations locodermes, berbérisées, arabisées et islamisées de l'Afrique du Nord, puisqu'elles sont les descendantes des populations Yamnaya, des peuples de la mer et de l'Empire romain. Et aujourd'hui, elles utilisent la religion islamique et la djihad pour justifier leur expansion territoriale. En fait, quand on a la mémoire courte, il est difficile de faire la synthèse historique de son peuple et de son continent. Difficile de faire quoi que ce soit quand on pense que son cas est un cas isolé. Difficile de faire quoi que ce soit quand notre fidélité spirituelle se trouve dans la pratique des religions des autres, qui sont en réalité des véhicules de conquête et de colonisation. Difficile de faire quoi que ce soit quand la poursuite du plaisir et du bien matériel sont devenus notre but ultime. Aujourd'hui, les Africains et les Noirs en général se demandent pourquoi toutes les civilisations noires disparaissent les unes après les autres. Dans cette vidéo, je n'ai utilisé que 3 exemples pour illustrer mes propos, mais l'histoire en offre plus. Par exemple, nous avons la Grèce antique, une civilisation noire qui est devenue locoderme. La Rome antique, une civilisation noire qui est devenue locoderme. L'Arabie, une civilisation noire qui est devenue locoderme. L'Espagne et l'Irlande, qui étaient des civilisations noires,
sont aujourd'hui locodermes. La Mésopotamie, qui était une civilisation noire, qui s'est désagrégée au fil des invasions et qui est devenue locoderme. Le royaume du Maroc, qui était autrefois une civilisation noire, mais qui est aujourd'hui devenue locoderme. L'Inde, qui était autrefois une civilisation noire, mais qui est aujourd'hui dirigée par des locodermes. La Chine ancienne, qui était autrefois une civilisation noire, est aujourd'hui locoderme. Le Japon et la Corée ancienne, qui autrefois étaient des civilisations noires, sont aujourd'hui devenues locodermes. Donc, pourquoi toutes les civilisations noires disparaissent les unes après les autres? La réponse à cette question, je vous l'ai donnée. La civilisation locoderme possède en son sein un trait culturel qui manifeste sa volonté de puissance. Ce trait culturel est le concept de destinée manifeste. Ce concept se présente comme tel. L'expansion territoriale, l'exploitation des ressources des autres et le génocide des populations qui se trouvent sur leur chemin. Si vous êtes africain et que vous avez compris cette vidéo, logiquement la question que vous devez vous poser est celle-ci. Que devons-nous faire pour nous en sortir? C'est une excellente question. Malheureusement, la réponse n'est pas si simple, car nous vivons actuellement dans un monde où tout a été locodermisé. L'éducation, l'économie, la politique, les comportements sociaux tels que la consommation alimentaire, le vestimentaire, la vie en société, pour ne citer que ces quelques exemples. Bref, nous vivons pieds et mains liés dans un monde que l'autre a façonné à son image. Et à vouloir se débattre d'un côté, on se retrouve de l'autre côté à non seulement combattre le locoderme et son système, mais également à combattre les populations noires complètement endormies, complètement eurocentriques, ainsi que les hommes de pouvoir qui manquent de courage, de connaissances, de vision et qui pensent que le changement se décrète. Je parle ici de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, de nos mères et de nos amis. Faut-il baisser les bras? Non. Mais il faut se poser la question. Face au concept de destinée manifeste qui matérialise la volonté de puissance des populations locodermes, possédons-nous dans notre culture africaine un concept qui pourrait faire face à celui des locodermes? Je vous le dis tout de suite, car je connais la réponse que plusieurs d'entre vous vont me donner. Ce n'est pas la math. La math est le concept de destinée manifeste que nos ancêtres ont mis en place pour matérialiser leur volonté de puissance. Ce concept a fonctionné pour eux pendant des millénaires, leur permettant de civiliser pacifiquement les quatre coins du monde, jusqu'au néolithique et même pendant la première moitié de l'Antiquité. Mais depuis l'apparition à la fin du néolithique des populations Yamnaya et de leur destinée manifeste, la math n'a plus fonctionné. Car depuis l'apparition des populations Yamnaya et de leurs descendants, toutes les civilisations noires qu'ils ont rencontrées ont tout simplement disparu. Et comme l'histoire nous le démontre, la math n'a plus été efficace pour l'Égypte antique. Elle n'a pas été efficace pour l'Empire du Mali. Elle n'a pas été efficace pendant la colonisation arabo-musulmane. Ne parlons même pas de la colonisation européenne. La math n'a pas été efficace pour les Ashanti contre les Britanniques. Elle n'a pas été efficace pour les Mossé contre les coalitions européennes. Elle n'a pas été efficace au Congo contre les Belges. Elle n'a pas été efficace en Afrique du Sud. Donc, laissez tomber la math. Ça ne fonctionne plus. Il nous faut aujourd'hui une nouvelle destinée manifeste adaptée à nos réalités actuelles, mais qui serait également efficace pour les prochains millénaires. Malheureusement, vu le monde locoderme dans lequel nous vivons, notre génération locodermisée ne peut pas faire naître cette destinée manifeste. Mais la solution que nous pouvons utiliser est de poser les bases, les piliers qui permettront la naissance éventuelle de notre nouvelle destinée manifeste. Et la seule solution qui a déjà prouvé son mérite est le changement de l'entièreté du système éducatif. Nous avons vu les résultats positifs en Chine, au Japon, à Singapour, pour ne citer que ces exemples. Donc, le changement
de l'entièreté du système éducatif en Afrique, et ce dès le bas âge, permettra la naissance d'une nouvelle génération d'Africains conscients du poids de son histoire, qui prendra le relais et passera cette conscience historique à la génération suivante et ainsi de suite. Et cela doit se faire pendant des centenaires. L'éducation doit redevenir et rester le pilier principal sur lequel reposent les économies, les politiques, les relations extérieures et la vision future des nations africaines. Ce n'est que dans cette perspective qu'après des décennies d'efforts, de travail, de recherche, d'introspection, de questionnement, d'échecs et de succès, que naîtra un jour notre nouvelle destinée manifeste. Je m'appelle Citoyen Thomas et je suis un fervent adepte du modèle de valeur pour valeur. Cette vidéo a été coupée de moitié car elle a été plusieurs fois censurée par YouTube. Si vous pensez que la chaîne Afrique Suprême vous a apporté une certaine valeur à vous ou à vos proches, je vous serai extrêmement reconnaissant de nous retourner cette valeur en vous procurant les ouvrages que nous avons écrits. Car les vidéos que nous produisons ne sont en réalité que des introductions à la connaissance. Par contre, les ouvrages vous permettront non seulement de quitter le domaine de la spéculation et du profane et d'entrer dans celui de la connaissance et de l'initié, mais également ce geste nous permettra, en attendant que les gouvernements africains ne prennent leurs responsabilités, de continuer à restituer à la prochaine génération d'Africains et d'Africaines, malgré la censure, la base de connaissances et de fortitude psychologique nécessaire sur laquelle elle pourra construire son avenir meilleur. Un avenir plus optimiste, non seulement pour elle-même, mais également pour les afro-descendants et la diaspora. Premier bain de foule pour le nouvel homme fort du Burkina Faso. Dimanche, le capitaine Ibrahim Traoré a défilé dans les rues de Ouagadougou dans un cortège de véhicules et blindés de l'armée, à découvert, adoubé par la population. Le nouvel homme fort du Niger n'est autre que le chef de la garde présidentielle, le général Abdourahmane Tchiani. Il s'est adressé au peuple nigérien ce vendredi, deux jours après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face, d'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été renversé lors d'un coup d'État militaire. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta se présentait comme l'homme fort avant d'être investi président de transition quelques mois plus tard. La veille de la date anniversaire, le colonel s'est exprimé et a tenu à se justifier sur les événements. Ce qui s'est produit le 18 août est un aboutissement. Des hommes et des femmes se sont retrouvés pour exprimer leur volonté de rupture et de changement.